Alors, plus précisément, dans le cas de Washington, alors, maman Marthe, née. Maman Marthe, née. Alors, puis, shop, Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso. Il y a un Congolais. On dit que tu es un salis à l'autre. Pour la Corée, on a un peu de bonheur. Pour la Zoto, on a un peu de bonheur. Pour la bonheur. Alors, puis, bio. Bio Africa Union. Et toi, t'es un peu de bonheur. Sinon, si tu es un peu de bonheur, tu es un peu de bonheur. Pour pas comprendre, ma Congolais, où allons-nous? Où allons-nous? Pour la Coréenne, à Pino Moko, pas pour la Coréenne, Coréenne, à Pédi. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver face à face, nouveau numéro. On ne peut parler que de l'actualité parce qu'on est bloqué par l'actualité. Le discours du président de la République a provoqué, n'est-ce pas, ce que moi je peux appeler une vague de réactions, au point que les députés et sénateurs ont réitéré leur confiance à leur autorité morale. Et vous l'avez suivi certainement, ils n'étaient pas tous, c'est vrai, mais bon, la majorité était là et la majorité a certainement réitéré sa confiance, son attachement, sa loyauté à l'autorité morale Joseph Kabila. Il faut parler aussi de cette élection américaine. L'Afrique se pose des questions. Elle se situe où et à quel niveau? Bon, et puis après, dissolution, révocation du gouvernement, élégance, éthique, que de termes. Et je reçois encore une fois le docteur Chirandi, qui est un analyste politique, un consultant en politique, pasteur aussi et professeur. Thank you. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci. Vous, merci. Vous revenez des États-Unis. Oui. Donald Trump était malade. Ben, on l'a vu comment il a saboté le corona. Lui, il a dit pas de masque. Alors que Joe Biden, lui a des masques. On l'appelle Joe Biden le dormeur. Est-ce que les élections ont déjà donné leur couleur? Merci beaucoup, Christian, pour m'avoir encore pour notre énième fois. À ce qui concerne les élections, je pense que il y a déjà, depuis hier la nuit, il y avait déjà 77 millions de personnes qui ont déjà voté. Ça bat déjà les records depuis 2016, parce que la plus grande élection que nous avons pu avoir, c'était en 2016. Et les élections actuelles américaines que nous sommes en train de parler, avec 77 millions des personnes qui ont déjà voté, c'est un grand record. Et avec le sondage qui est en train de se passer, Joe Biden a un avantage avec ces élections. Il est vrai, c'est parce que il y a les élections qui se font par mail, il y a les élections, ce qu'on appelle early voting, les élections qui se sont faites avant, les gens se présentent pour voter. Typiquement, Donald Trump est en train de compter sur à la date, le dernier jour, qui est le 3, parce qu'il sait que statistiques montrent souvent les démocrates ne se présentent pas à aller voter les derniers jours, bien rester souvent en ligne pendant longtemps. Alors, lui, il compte sur ça. Mais on ne sait pas combien des républicains qui vont sortir pour voter, comparé aussi aux démocrates qui ont déjà voté, sans oublier les démocrates qui iront aussi les mêmes trois là pour voter. Donc, c'est ça les mathématiques, les élections. Mais vous-même, aux États-Unis, les élections ne sont pas encore gagnées avant le jour J. Oui. Et puis, il y a beaucoup de surprises. Il y a des États qui votent les présidents. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que Donald Trump est réélu?
On peut dire Donald Trump est élu, il peut être réélu, c'est encore possible. Hier, on était en train de discuter, c'est là lorsque j'étais dans l'avion, il y avait des certaines personnes qui ont pu me poser cette question-là, parce qu'ils ont compris que je suis américain et je vis aux États-Unis. En fait, il y a encore des chances parce qu'il y a 8 États qu'on appelle swing states, on appelle les toss-up states. Ce sont les États qui changent, des fois ça devient républicain, des fois ça vote démocrate. En 2016, Barack Obama, d'abord en 2008, En 2012, Barack Obama, 2008 et 2012, Barack Obama était capable de changer tous ces États-là en bleu, qui veut dire démocrate. Alors, maintenant là, les grands États qui ont l'avantage pour Donald Trump, par exemple, sur le 8 États, c'est que par rapport aux maps électorales, si Donald Trump est capable de gagner l'État de Floride, s'il gagne l'État de Floride, il gagne Michigan et il gagne Iowa, il devient le président. Parce que ce sont des États où, par exemple, s'il gagne des élections, s'il gagne l'État de Michigan, il gagne tous les électeurs à vote. Donc, il y a un certain nombre, je pense qu'ils sont 30, on lui donne tous ces 30-là. Tandis que dans d'autres États, on divise les chiffres par rapport au nombre que la personne a gagné. Et en Floride, s'il gagne aussi, il gagne on lui donne tous les électeurs au vote. Et il n'y a aucun républicain, aucun président républicain, aucun candidat républicain qui est devenu président sans pour autant gagner la ville de Floride. Donc, comparé à Joe Biden, lui, il a besoin de Pennsylvanie, il a besoin de Michigan, et puis il a besoin de la ville de Florida ou Virginie. S'il gagne, Pennsylvanie, c'est chez Floride, c'est Donald Trump, et Pennsylvanie, c'est chez lui, Biden. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la nomination de l'ancien juge, de la nouvelle juge à la Cour constitutionnelle peut changer la donne? Oui, si c'était simplement qu'il n'y avait pas de early voting, c'est-à-dire s'il n'y avait pas de votes qui se sont faits avant. Il faut savoir qu'il y avait des votes qui se sont faits, en avant, avant que le juge a été mis en action il y a 2 jours. Donc, après la mort de après 2 jours. Mais les gens ont commencé déjà à voter, ça fait plus de mois. Hein. Donc, les gens commençaient déjà à voter, early voting. Et la plupart des gens qui se sont votés, ils ont voté parce que... Et ceux qui n'ont pas voté Donald Trump, surtout, c'est comme vous avez touché, à cause de son attitude par rapport au coronavirus. On lui reproche de ne pas avoir pris des précautions, d'avoir négligé la situation. Et donc, je crois que les États-Unis sont quand même regardants sur la question de la gestion de l'épidémie. Oui, la gestion de l'épidémie, c'est un grand problème aux États-Unis parce que nous avons plus de 250 000 personnes qui sont mortes avec le virus. Et les États-Unis ont 350 millions d'habitants. Ça compte beaucoup. Lorsque vous mettez tous les pays européens, le taux de mortalité des pays européens est toujours moins comparé aux États-Unis. Donc les États-Unis, sur ce point-là, on condamne Donald Trump pour la malgestion de cette histoire-là sur l'État fédéral. Mais Donald Trump aussi se justifie par le fait que les pays fédéral, ça permet à chaque État d'être gouverné de sa façon. Donc il y a chaque gouverneur qui a sa politique. Pas simplement de COVID, même gestion gouvernementale. Donc le président de la République ne peut pas imposer son agenda ou son plan sur dans la vie d'un gouverneur. Ça n'est pas possible. Et on montre que le grand taux de mortalité, le grand taux de COVID, c'est pas souvent pas dans l'État où il y a un gouverneur républicain. Parce qu'ils ne sont pas en train vraiment d'obliger le masque. Ils croient que l'homme a indépendance. S'il veut porter un masque, il porte un masque. Si tu ne veux pas, tu ne portes pas. Très bien. Mais il y a aussi, en dehors de cette élection américaine, il y a l'élection ivoirienne. Oui. Où Alassane Ouattara veut briguer un troisième mandat. Oui. Je crois qu'il va aller aux élections demain. Les élections auront lieu 30, certainement demain. Mmh. Et puis, bon, on a suivi pour la première fois l'ancien président Laurent Gbagbo qui parle d'un temps ferme. Il dit le problème, c'est Ouattara. Il faut que Ouattara arrive à appeler tout le monde et qu'il fasse un dialogue. Je crois entendre dans la bouche de Gbagbo un report des élections parce que c'est ça même le nerf du problème. Oui, parce que, en fait...
J'étais en Côte d'Ivoire et depuis l'année passée, je pense que je vous avais parlé de ça. Et si vous vous rappelez bien, je vous avais bien dit, il y avait tous les signaux et sans pour autant parler aussi mes affiliations du travail politique en Côte d'Ivoire. Nous avons déjà compris que Ouattara allait faire un troisième mandat. C'était déjà évident, même si il y avait peu importe ce qui peut dessiner. Mais il a dit qu'il est parti malgré lui. Alors. Ce qui est étonnant, c'est le fait que tu pars aux élections malgré toi, au moment où tu n'étais pas encore candidat, la personne que vous avez mis comme étant dauphin est mort, mais vous avez toujours le temps de faire la campagne, un petit moment de faire la campagne, et vous comptez que vous allez gagner. Donc, je ne peux pas entrer beaucoup sur ça, mais ce qui est vrai, c'est que les opposants sont contre. Les opposants pensent qu'ils doivent être capables de s'asseoir sur même table, parler et chercher un consensus, trouver une autre date pour les élections. Et mais ça aussi, ça ouvre porte à plusieurs choses. Ça ouvre porte à ce que si il fait cela et que vous reportez les élections, il y a une certaine forme de violation de la même constitution encore. Parce que ça va demander à ce que la constitution soit touchée. Et puis aussi, il y aura une nouvelle date des élections. Et là, Ouattara peut aussi se justifier que il devait se présenter comme étant candidat. Il a le droit de le faire. Le problème, c'est le problème de l'homme africain. L'homme africain aime le pouvoir. Et c'est ça le problème. Mais il faut dire que ce débat, sous d'autres cieux, on en parle plus, ça fait des années et des années. Mais chez nous, c'est un débat, j'ai bien peur de dire que c'est devenu culturel, au point que à l'aube des élections, il y a toujours des problèmes, on conteste même avant qu'on ait aux élections. Comme en Côte d'Ivoire, déjà la contestation est préparée avant même d'aller aux élections. En Guinée aussi, la même chose, Alpha Condé, vous avez vu. En Guinée, n'en parlons pas. Oui. Pourquoi ils n'ont pas fait comme Kabila Joseph, qui a accepté de partir, même s'il nous a volé 2 ans, mais il est quand même parti à la fin. Ben, vous savez, le problème, c'est que le pouvoir, et je l'ai dit, le pouvoir a deux choses. Le pouvoir amène deux choses. Les tests du pouvoir, et en anglais on a dit the test of power. The test of power. Donc il y a un test du pouvoir et il y a le goût du pouvoir. Alors, dans les tests du pouvoir, c'est là où il y a les oppositions, il y a plusieurs challenges qu'un leader se retrouve. Dans le goût du pouvoir, il y a ce que le leader, lui, il oublie qu'il y a certaines limites à son mandat et il tombe dans le goût du pouvoir. Le pouvoir, c'est comme la drogue, hein, je l'ai dit toujours. Ça donne une ivresse, c'est comme la drogue et tu ne sais plus comment te limiter. On devient addict. On devient addict et on ne voit plus une autre vie après la présidence. Mmh. Et je pense que les Africains ne sont pas en train d'aider leur propre peuple et ils ne cèdent pas eux-mêmes parce qu'ils ne font que reculer. Pourquoi ils n'ont pas fait peut-être comme Kabila? Deux petites choses. Peut-être Kabila a compris que il y a une vie après la présidence. Après, c'est bien évidemment. Vous posez la question, moi je réponds. Peut-être qu'il a compris qu'il y a une vie après la présidence. Et il a compris, il a dit que non, je peux me mettre là. Et peut-être aussi, il y a l'âge qui compte. Il se voit qu'il est jeune, il quitte la présidence, il a d'autres choses à faire dans la vie. Et peut-être il va regarder dans le futur. Les autres, ils n'ont pas pu regarder peut-être comme ça. Dans quel futur, je crois que pour Kabila, c'est fini, la question est fermée. Mais il faut le dire quand même que... Mais il a montré un exemple. Oui. Et nous, qu'on aime Kabila, mais qu'on n'aime pas Kabila, qu'on soit de son côté, qu'on ne soit pas de son côté, ça c'est le choix de tout le monde, mais c'est le choix de chacun. Mais ce qui est vrai, c'est que il a respecté et il est parti. Bon, moi, je dirais pas comme vous qu'il a respecté. Moi, par contre, je dirais qu'il est finalement parti. Je crois que le terme, c'est finalement parti. Non, vous pouvez dire ce que vous voulez dire. Moi, mais ce qui est vrai, c'est qu'il est parti. Il n'a pas fait comme les autres, briquer un autre mandat. Peu importe les raisons, il n'est pas le président de la République démocratique du Congo. Ce qui est évident. C'est vrai que ce n'est pas, moi, je crois que, c'est l'exemple à suivre, c'est plutôt la fin. C'est-à-dire qu'il est finalement parti. Oui. Et que les autres ne sont pas en train de le faire, malheureusement. Oui. Alors, on va parler Afrique pour terminer. Oui. Un digne fils de l'Afrique serait mort. Oui. Sidika Dokolo. Je ne sais pas si c'est vrai, cette information, si elle a été confirmée. Oui. Tout le monde a dit que c'est des sources. Yeah. Mais jusque-là, je ne sais pas si c'est réellement vrai. Oui. Mais vous, c'est vrai que Sidika n'était pas
un personnage qui faisait l'unanimité. Mm-hmm. Bon, il était opposant, il avait des positions parfois tranchées contre le régime. Au début de Félix, il était contre lui aussi un peu. Mm-hmm. Et puis après, il a compris que ça fallait finalement changer de camp. Mais sa disparition, sa probable disparition, parce que je le mets au conditionnel, parce que oui. Je n'ai pas la confirmation, sa probable disparition signifie quoi pour vous? Premièrement, je présente mes condoléances à Isabella de Santos, parce que c'est déjà confirmé, RFI a confirmé cela. Ah, confirmé. Oui, d'accord. Et nous présentons nos condoléances à la famille Docolo et à la famille Santos, à Isabella. On ne saura jamais expliquer les douleurs qu'elle est en train de sentir à ce moment. Il n'avait que 48 ans, il paraît très... Il est né à 72, donc il est né à 72, yes. Donc, on ne saura jamais expliquer les douleurs. Il était jeune, frais, dynamique. J'ai eu le privilège de rencontrer le syndicat. Je l'ai dit même dans mon tweet que nous n'avons peut-être pas été d'accord dans certains points politiques, dans certains angles, comme vous avez expliqué. Tu es de ce côté et puis enfin tu changes et tout ça. Nous n'avons pas été d'accord au même côté. Et je me rappelle très bien qu'il y a des discussions où moi j'ai dit non, 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 moi je ne crois pas à ça. Mais nous honorons sa vie. Il était un homme qui voulait un Congo nouveau. Et pas seulement un Congo nouveau, l'Afrique. Il voulait voir une Afrique émergente. Ouais. Le cœur des syndicats, c'était le cœur de voir une Afrique qui est émergente. Et je pense que s'il allait rester en vie, s'il allait être en vie encore aujourd'hui, après ses 51, il allait émerger dans les cadres politiques très fort. Donc ça, c'est les mémoires que je connais d'une façon personnelle. Mais est-ce que les conditions de sa mort sont connues jusque-là? Oui, je ne vais pas divulguer beaucoup, en parler des choses incertaines, mais ce qui est vrai, il est mort à Dubaï, à partir des voies maritimes. Je pense qu'ils étaient dans l'eau, ils jouaient, je ne sais pas quoi, mais c'était dans des conditions comme ça. Mais c'est quand même affreux. Yeah. Mais l'état d'esprit d'Isabella en ce moment, il faut rappeler qu'elle est poursuivie par la justice, son mari qui décède, les conditions ne sont pas vraiment bonnes, son papa a des problèmes aussi au niveau de l'Angola. Oui. Je n'imagine pas la peine qu'elle a, la pauvre. Oui, la peine, et c'est comme ça que nous sommes en train de présenter nos condoléances. Mais en même temps, s'il y a un message que je peux transmettre à Isabella, que ce soit de façon publique ici, c'est le fait que des fois, nos douleurs se transforment à nos forces. Des fois, la vie de leader se développe par les douleurs. C'est les douleurs qui développent et qui forgent la vie des douleurs, la vie d'un leader. Un leader qui ne traverse pas de moments difficiles, il ne sera pas capable de découvrir ses propres forces. Et c'est comme ça que nous sommes forgés par les douleurs, par les difficultés, par des situations qui nous deviennent des fois impossibles à résoudre, des douleurs que nous ne devons pas être capables de divulguer devant les gens. Lorsque vous voyez les gens comme Winston Churchill, lorsque vous voyez des gens comme Lennon Sweet, lorsque vous voyez, il y a beaucoup de leaders dans le monde entier qui ont traversé des moments qui étaient très difficiles, mais ils devaient se lever devant les gens en train de sourire, mais eux-mêmes, ils étaient des hommes malheureux. Je vois donc, une dame qui avait certainement une longue vie de mariage, mais qui va se casser comme ça. Isabella deviendra veuve et les enfants des syndicats deviendront des orphelins. C'est quand même assez affreux. Oui, c'est quand même affreux. Nous prions le Seigneur que Dieu l'accorde la force. Ouais. Isabella, elle est encore jeune. Très jeune. Elle pourra refaire sa vie, elle pourra se remarier. Et Dieu l'a bénie, elle est milliardaire. Elle a l'argent, elle a tout ça. C'est vrai, père de quelqu'un de proche. L'argent ne compte plus. Donc tu deviens vulnérable. Très vulnérable. Du vulnérable. Et c'est ça, la force d'un leader se voit dans sa vulnérabilité. C'est lorsque un leader est vulnérable, c'est là où sa force commence à être formée. Et Dieu forme les leaders par la vulnérabilité. Moïse Katumbi a tweeté en disant que le ciel soit favorable à Sidika. Oui. Et le sillage du président Félix Tshisekedi, tout le monde a tweeté aussi. On attend peut-être son tweet à lui. Alors il faut parler politique. Sidika était congolais. Oui. Je ne sais pas s'il était où il est. En tout cas, on va dire congolais. Sa femme,
peut avoir un exil ici chez nous si jamais il y a des poursuites judiciaires contre elle en Afrique. Il y a des poursuites judiciaires contre elle en Angola. On ne peut pas être ici chez nous. On peut garantir parce qu'à la fin de compte, c'est notre femme. On va dire, c'est la femme d'un Congolais. Donc c'est notre. Elle fait partie de nous. Elle a nos enfants. Il y a beaucoup des équations politiques sur ça. Et les équations politiques dans le sens que je ne sais pas si c'est le meilleur endroit de parler de ça. Sur le plan normal, c'est vrai, elle peut venir ici parce que c'est notre, le pays congolais, elle a épousé tout ça, son mari. Et elle a des enfants congolais. Yeah, mais maintenant, la mathématique, ça devient maintenant, comment est-ce que l'autre qui est au pouvoir va percevoir cela? Qui est Lorenzo, comment il va percevoir cela? Parce que les deux, ils se font tête à tête. Donc, ça devient maintenant des calculs politiques. Isabella est candidate, je crois. Elle veut se présenter candidate, mais elle ne pourra pas être au territoire, mais elle va se présenter candidate. On ne sait pas aussi sur la Cour constitutionnelle va accepter cela, sa candidature. Mais ce qui est vrai, elle, c'est politique. C'est pour se positionner, c'est pour créer une image, c'est pour créer l'influence et c'est pour montrer que les Santos ont toujours une influence en Angola. Mais ce qui est vrai, c'est que les gens ont voulu que Félix Tshisekedi se comporte exactement comme Lorenzo. À la différence, Lorenzo est un dauphin constitutionnel et même dauphin politique, ce qui n'a pas été le cas avec Kabila, avec Félix Tshisekedi. Mais les gens voudraient que Félix Tshisekedi fasse exactement comme Lorenzo, faire la guerre au clan. Au camp Kabila. Santos, un peu comme ici, faire la guerre au camp Kabila, mais il ne l'a pas fait. Est-ce que Félix a choisi la voie de la sagesse? Donc maintenant là on entre politique du Congo. Je pense que lui-même il avait dit ça avant dans son discours, dans son premier discours il avait dit qu'il n'est pas là pour faire des chasses aux gens, toutes ces choses-là, et je crois que, et je reste ferme, comme j'avais dit ça déjà dans un des interviews aussi, je pense que son chemin, le chemin de la paix, le chemin de ne pas faire la chasse aux gens, c'est un chemin qui est intelligent et qui peut l'aider à bien construire ces pays ici. Mais c'est fini cette histoire. C'était avant. Oui. Le discours a arrêté ça. Oui. Le discours qu'il a eu à faire, le discours a arrêté ce beau rêve que l'on avait... Maintenant, il faut se réveiller et vivre la réalité en face. Oui, bon, on ne sait pas si le discours... Quand vous dites... vous savez, dans une classe de communication, j'enseigne, la communication a toujours été par rapport à la personne qui reçoit l'information, à la personne qui écoute. Donc, ça dépend de ce que vous voulez interpréter, de ce que lui, il a dit dans son discours, et ça dépend de ce que les autres veulent interpréter. Mais si son discours, comme les gens le disent, que ça voulait annoncer la séparation du mariage avec FCC, la séparation du mariage, est-ce que c'est ça, c'est qu'on demande la chasse aux démons, ou bien la chasse pour suivre les autres, faire le mal aux autres, tout ça, je ne sais pas si c'est ça. Mais je crois que lui-même, en faisant son discours, il avait bien dit que il va revenir au peuple et puis il va leur dire des funding, des solutions, des réponses à son discours. Mais pas seulement ça, il a dit qu'il va prendre des décisions qui ne vont exclure aucun cas de figure. Oui. C'est ça la phrase. Okay. Et cette phrase, quand on l'analyse, donc révocation du gouvernement et là, dissolution et là, rupture de l'alliance et là, tout ça, toutes ces hypothèses ne sont pas exclues pour Félix Tshisekedi. Oui, toutes ces hypothèses ne sont pas exclues et je vais rester toujours dans mon travail de consultance dans une forme de neutralité ici. Toutes ces hypothèses ne sont pas exclues. Mais il y a la voie constitutionnelle que... je ne veux pas qu'on y entre trop ici. Pour être capable, pour que le président de la République puisse dissoudre un gouvernement, ou bien dissoudre d'abord le Parlement, je m'excuse, il doit avoir ce que vous le savez vous-même, il doit avoir un permanent incompréhension ou désaccord, le conflit entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Oui, c'est vrai, il peut le créer. Là, ça c'est vrai, il peut créer le conflit. Mais s'il le crée maintenant, le problème c'est que s'il le crée, il crée, et ça ce n'est pas des bons intègres de son propre côté, même si on veut dire que c'est géopolitique, ce n'est pas intègre de son propre côté, parce que s'il veut créer une fondation et que cette fondation-là a une mauvaise base, tout ce qu'il va lever en haut sera déjà une mauvaise. Alors,
Je vais continuer. Tout ce qui sera déjà, tout ce qui va lever déjà sera déjà la mauvaise. Parce que la fondation par laquelle, la motivation, comme on dit, c'est une force qui nous aide à agir. La motivation qui va l'aider, qui va le pousser à faire ça. Premièrement, sur le plan constitutionnel, il ne peut pas dissoudre l'Assemblée. Aussi, au moins qu'il y ait ces permanentes crises qui résistent. Et ça, on insiste à ça. Il doit avoir cette crise-là. Vous avez dit, il peut créer la crise. Oui, il peut créer la crise. Mais en créant la crise, déjà, sa motivation n'est pas propre pour faire cela. Mais je continue. Okay. En politique, s'il veut, parce que c'est en politique, il veut faire ce qu'il va faire. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que cette crise-là, en créant cela, ça va amener toujours des conséquences. Parce que lorsque on crée quelque chose, on doit être capable de savoir comment est-ce qu'on va supporter ou bien quelles sont les barrières qu'on a mis pour essayer de s'appuyer à ce que on a créé. Alors, donc, moi, je suis dans la position où je pense que vous serez d'accord avec moi. La dissolution de l'Assemblée, ça ne va pas l'aider. Dissoudre, ça ne va pas l'aider. Je pense au contraire que s'il veut faire cette histoire-là de, comme vous avez parlé, c'est quoi, l'union sacrée? Oui, l'union sacrée, là où il doit parler avec les autres, s'il veut faire ça, il peut faire ça, trouver les funding, les solutions qu'on appelle, et amener ça avec l'Assemblée qui est là, et discuter ça avec l'Assemblée nationale, et avec, ils vont discuter, et à partir de ça, mais ils vont voir comment avancer. Oui, mais vous savez que ça ne marche pas comme ça, et puis en plus... Comment ça ne marche pas comme ça? Je vous explique, je vous pose des questions, moi je pose oui, des questions. Oui, continuez. Souvenez-vous que vous enseignez le leadership, yes. Machiavel est clair sur la oui. question, la politique est amorale. Oui. Il n'y a pas de morale dans la politique. Oui. Il n'y a que des résultats qui comptent. Mais le problème avec Félix, c'est oui. le fait que... Le problème avec le président Félix, c'est le fait que... Le fait qu'il a commencé le pays en dédiant ça entre les mains de Dieu, oui. il veut amener le pays dans le sens moral. Oui, mais Dieu frappe. Il faut dépeupler les camps du diable pour pouvoir. Non, ce n'est pas biblique ça. Non, ce n'est pas biblique. Dieu fait des nations. Tu parles. Oui, il est à la fête de toutes les nations. C'est mes disciples, oui. Ce n'est pas en faisant. Ce n'est pas en utilisant les amoral. On ne gagne pas comme ça. On ne gagne pas comme ça. Merci, il ne faut pas interpréter. Donc, le fait qu'il a commencé déjà avec cette fondation. Et je pense que le président est en train de nous écouter. Le fait qu'il a déjà dédié les pays, il voulait montrer qu'il y a un chemin moral, éthique qu'il veut diriger le pays. Donc, que Machiavel puisse parler, le fait que la politique est amorale et tout ça, ça ne va pas marcher avec les principes que Félix-Antoine Tshisekedi voulait Machiavel prendre. Machiavel ne dit pas que la politique est immorale. Mm-hmm. Il dit amorale. Amorale, yes, je dis amorale. Pas de morale là-bas. Oui, je dis amorale. Lorsqu'il y a oui. le résultat est. Oui, le résultat qui compte. Le problème, c'est ceci. Lorsqu'on enlève la morale, on enlève la conscience. Et c'est ça ce qui est en train de faire en sorte que. Aujourd'hui, FCC se plaint. Il se plaint des mêmes erreurs qu'eux-mêmes ils ont commises la fois passée, hein, dans les années antérieures. Oui. Alors, on ne veut pas non plus un Félix qui va créer les erreurs que demain la nation va en subir. Mais il y a des problèmes, docteur. Oui. Ils ne s'entendent pas. Oui. La prestation de serment, le oui. premier ministre, un nombre important de membres de gouvernement, des Félix Tshisekedi, mm-hmm. refusent de prendre part à la manifestation. Bon, tu veux, ouais, vraiment, vous, voilà, nous sommes vraiment, on ne voulait pas, je ne veux pas entrer à ça. Pourtant, je ne veux c'est pas ça le sujet. Oui. En fait, les problèmes, ils ne s'entendent pas. Oui. Ils ne se consultent pas. On ne s'écoute pas. Le président a annulé un conseil des ministres. Pour dire simplement que, de la manière dont on ne s'entend pas, ce n'est pas possible. Si vous êtes mes ministres, vous respectez ce que je vous dis. Et non les dictats des partis politiques. Ok, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai ce que tu es en train de dire. Si j'étais des cash, je vais dire, ou si j'étais des IDPS, je vais dire que vous n'avez pas respecté le président. Le président, c'est lui le chef suprême, c'est lui qui a déclaré, il a voulu que vous soyez là. Comme on dit, quand le chef a parlé, tout le monde doit écouter. Si je suis des FCC de l'autre côté, je vais dire que non. Le début a mal commencé. Le président a violé la Constitution en nommant le juge de la Cour constitutionnelle. Pourtant, ah ouais, ça c'est pas vrai. Ouais, oui. On a dit qu'on le donne 3 ans, moi, 3. Oui, attends. On le donne 3 ans et 3 ans et 3 ans. Je continue avec ça. Oui. Alors, et ils vont dire, comme j'ai dit, les gens de FCC vont dire que non, il n'a pas respecté les histoires constitutionnelles, vous m'écoutez, hein? Oui, il n'a pas respecté ce qu'il devait respecter, et de là, comme il n'a pas respecté cela, nous, on ne peut pas se présenter. Et puis, on retourne à une chose, c'est que le système semi-présidentiel.
qui fait en sorte que, et ce semi-présidentiel, ne vous oubliez pas, hein, c'est Papa Tshisekedi, je vous continue à le dire, je les avais dit la fois passée, c'est lui qui a donné un grand appui à la conférence nationale, c'était quoi, conférence nationale, qui demandait à ce qu'on doit diminuer le pouvoir du président, pour essayer de balancer cela avec le pouvoir du premier ministre. Alors, donc, il n'y a pas le problème simplement le chef a parlé, il y a le problème c'est que le chef qui a parlé, c'est celui des game changers. Donc c'est celui qui doit être capable de parler et avec le premier ministre et tout le monde, mettez-les sur la table et agissez. On ne peut pas agir comme étant on est deux couples, donc à marier à un seul homme ou on a un problème de rivalité. Non, on doit, le président Félix, c'est lui le président de la République et c'est lui qui doit unir tout le monde. Parler avec les membres de son gouvernement et au lieu de crier, d'essayer de se battre, essayer de se poser des questions, qu'est-ce qu'il doit faire pour qu'ils essayent d'avancer. Mais aujourd'hui, on est au moment où le côté moral, le côté éthique est passé. Ils ne s'entendent pas, il ne faut pas qu'on fasse semblant. Le Premier ministre n'a aucun respect pour le président, les ministres du FCC n'ont aucune considération pour le président. Il y a un ministre qui est allé répondre à l'invitation du président de la République, il a été suspendu. Voyez-vous là où on est arrivé, Alors, dites-nous, comment on construit un développement dans ces conditions d'antagonisme? Vous avez suivi Chadari, littéralement manqué de respect au président de la République dans un communiqué. Il a été clair, sans embâche. Il a dit quoi? Il a dit que le président Félix a signé un accord faisant de lui président dont l'unique copie se trouverait à Kingakati. Atundu Liondo est passé pour dire que le président était un protagoniste ambiant. Donc, c'est des termes, je ne sais pas, mais... Tu vois le problème, c'est ceci. J'évite d'utiliser des termes qui sont forts tels que les insultes, cela. Parce que je ne sais pas si c'est ça, ce sont des insultes ou quoi. Mais ce que je pense, c'est ceci, c'est que... Est-ce qu'il y a-t-il eu un accord entre le président Félix Tshisekedi et Kabila, et Joseph Kabila? Ça, c'est la première question qu'on doit se poser. Oui, moi, je vous la pose. Oui, il y a eu un accord. S'il y a eu un accord entre les deux, est-ce que sont-ils prêts, les deux, à, en anglais, on dit disclose, exposer cet accord-là pour que le monde entier puisse en avoir? Ça, c'est une question que président Félix Tshisekedi et Kabila doivent être capables de répondre. Troisième chose. Est-ce que la révélation de cet accord ouvrira-t-il un Pandora box et Pandora box? Quel sera comment on appelle Pandora. Qu'est-ce qui va sortir de cet accord-là? Alors, en répondant à ces trois questions, lorsqu'on est capable de répondre à ces trois questions-là, on est capable de savoir où est-ce que le pays peut se situer. Vous me mettez sur un point de défensif de répondre, oui, et c'est ça que je veux pas. Au contraire, moi, je suis en train de chercher d'éclairer l'opinion. Oui. Parce que l'opinion où la population peut bien écouter qu'il y a une incompréhension entre Kabila, Félix, les ministres ont parlé ceci. Il y a un accord. C'est quoi qui a été dans l'accord? Quelles seront les conséquences de cet accord? Ou bien, alors, revenons sur la table comme étant des adultes. Parlons pour essayer d'avancer ces pays. Le problème avec ce gouvernement entre la branche exécutive et la branche législative. Ce problème qui se passe ici, il y a un seul problème. En leadership, on appelle ça ego of power, l'ego du pouvoir. Qui va céder? Qui va faire quoi? Alors, le président de la République, il doit se comporter comme étant le père de la nation. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire, avant que les gens me prennent ça en haut dans un mauvais sens. C'est ce qu'il doit être en train de faire. Il est lui, le chef de la nation. Il doit être capable d'appeler les premiers ministres, appeler tout le monde et s'asseoir avec eux sur table pour dire, OK, voilà, il y a 1, 2, 3, 4, nous devons les corriger et nous devons avancer. Le président de la République, il doit être capable d'accepter qu'il doit perdre une partie et le gouvernement, les autres aussi, doit perdre une partie. C'est ça ce qu'il y a à faire avec les pouvoirs semi-présidentiels. Les pays sont en train de marcher. Trump n'a pas le Parlement avec lui. Il a le Sénat, mais il n'a pas la Chambre basse. Les grandes décisions aux États-Unis se prennent par la Chambre basse. Trump n'a pas ça. Emmanuel Macron n'a pas le Parlement. Justin Trudeau n'a pas le Parlement.
et ils sont en train de travailler. Donc le président Tshisekedi n'a pas le parlement. Il doit être capable d'unifier les gens. Un leader unit les gens. Il doit être capable d'unifier les gens pour essayer d'avancer. Et les gens des FCC doivent se comporter comme étant adultes, de savoir que le président de la République, il est là comme étant le chef de la nation. S'il y a de quoi, passez par un système protocolaire, asseyez-vous, parlez avec le président pour avancer. Parce que le problème, c'est ceci. Dans cette allure du Congo, même celui qui gagne est perdant. Je l'ai dit toujours et je l'ai dit même dans mes tweets. Même celui qui gagne est perdant. Parce que les peuples vont en subir les conséquences. C'est vrai, la population congolaise, ils sont là pour voir. Oui, on doit arrêter ceci. Oui, on doit faire ceci. Oui, on doit faire cela. Oui, on doit faire cela. Mais vous savez quoi? Le pays ne marchera pas avec toutes ces revendications gauche et droite. Mais le pays va avancer lorsque il a installé cet état de droit. Il dit, voilà la ligne, nous sommes ici, avançons à partir d'ici. Et c'est là où le président doit tenir sa décision. Alors, vous savez que je ne vous ai pas interrompu, oui, parce que vous avez dit que j'étais en train de vous pousser à la défensive. Oui. Mais nous devons rendre un service important au peuple. Parce que yes, moi, ce que je pense, je voudrais que l'on partage. Oui. Vous dites, le pays que vous avez cité, oui, c'est pas la même chose avec le Congo. Mais le problème, c'est que vous voulez devenir comme eux. C'est ça le problème. Le système démocratique. Système politique, oui, est très différent du système politique américain. Oui. Très différent du système politique grec. Très différent du système politique allemand. Oui. On n'est pas pareil. Oui. Et aujourd'hui, Macron a la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Il a aujourd'hui cette majorité-là. Oui. Ce qui le mais fait, il avait commencé, il n'en avait pas ça. Oui, il avait, désolé, il avait commencé, il n'en avait pas ça. Trudeau n'en a pas. La France a une autre culture. Oui. La France a une culture politique très éveillée. En France, vous n'entendez pas les déclarations du FCC comme ça. La France n'a pas un FCC à lui. La France n'en a pas. La France n'a pas des. Mais il y a la partie droite, il y a la partie gauche. Oui, en fait, ils ne sont pas sur le niveau politique. Oui. En fait, je vous avance encore à notre argumentaire. Vous dites par exemple que le président devrait se comporter comme un père de la nation. Mais combien de fois le président a appelé avant de prendre une décision le Parlement? Plusieurs fois. Okay. Mais la réponse est laquelle? Gifle sur le visage. On l'a vu. Okay. Il appelle avant de déclarer l'état d'urgence. Il appelle le président du Sénat. Il appelle la présidente de l'Assemblée nationale comme des personnes civilisées. Mm-hmm. Il leur dit des choses et en sortant, ils font des communiqués. Comme pour dire, le président ne connaît pas la loi, il viole la loi, il ne fait pas la continue loi. Deuxième, le président les appelle pour la prestation des serments. C'est eux d'abord qui ont demandé de rencontrer le chef de l'État. Ils le rencontrent, ils discutent. Après, c'est un communiqué qui sort. Finalement, le président, vous le réduisez à un petit garçon qui va courir après les caprices des Mabunda, les caprices des Tambo Mwamba. Ne vous fâchez pas, allons-y ceci, allons-y cela. En ce moment-là, il est président de la République ou il est commissionnaire président? En fait, le grand problème, c'est ça. Et c'est ça, en fait. Vous avez commencé par dire que la France, et j'aimerais bien corriger, c'est vrai, Emmanuel Macron maintenant a la majorité, avant il n'avait pas la majorité, et c'est vrai, la France, vous dites la France, vous parlez de ces pays-là, ils n'ont pas le même esprit comme nous, ils ne font pas des déclarations comme ça, ok, la classe politique, là-bas il y a la droite, il y a la gauche, et ce qui est différent d'ici, ici il n'y a pas la droite, il n'y a pas la gauche, il y a des classes politiques qui sont différentes, je consulte, et comme vous le savez, je consulte avec beaucoup de leaders dans le monde, beaucoup de présidents dans le monde. Alors, le problème, c'est que c'est un problème du pouvoir. Le pouvoir, en fait, le pouvoir doit accepter qu'il y ait une certaine forme de confrontation. Ce n'est pas par le fait qu'on réduit le président. C'est par le fait que le président est au-dessus de la mêlée. Il doit se mettre lui-même au-dessus de la mêlée. Et j'ai dit aussi que les autres doivent bien se comporter pour savoir la ligne, quelle est la mais ligne du président. Mais qui contredisait Kabila maintenant, dans son temps? Bon, voilà maintenant. Pendant 18 oui, ans, tu vois, le Parlement n'a jamais dit un seul mot. Et ça, c'est vrai. Parce que les gens me l'ont posé des questions. J'ai eu ces questions-là. Et tu sais pourquoi? Parce que Kabila avait la majorité. Il contrôlait et le pouvoir législatif, et le pouvoir judiciaire, et le pouvoir exécutif. Si le président Félix, et c'est ça la route, s'il est capable de contrôler le pouvoir exécutif, législatif, tout ça, il serait capable de faire tout ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il veut faire. Mais voilà, mais ce qu'il veut faire, mais il doit amener ça dans le processus qui est constitutionnel et qui est normal. Et là, je ne veux pas entrer dans ces débats-là. À cette année, le problème, c'est que Kabila aussi n'avait pas un accord avec quelqu'un d'autre. Alors,
Le président qui nous écoute. S'il avait un accord avec le Palou, mais qu'il a bouffé, il a bafoué. Ah, non. C'était un accord clair. Non, c'était un accord pour le partage du pouvoir. Oui, bien évidemment. Oui, c'était un accord pour le partage du pouvoir. Le partage du pouvoir, oui. Mais il n'y avait pas de clause. Peut-être qu'il se trouve dans l'air clause ici. C'est pourquoi on dit. C'est pourquoi on dit. Nous, en tant qu'intellectuel, on va discuter sur des choses. Dégo. C'est comme ça que je continue à insister que nous n'avons pas encore vu. Oui, c'est pourquoi je continue à dire que nous n'avons pas encore vu cet accord. Mais ce qui est vrai, c'est ceci. Rappelez-vous de ce que j'ai dit. L'accord est là. Qu'est-ce qui est dans l'accord? Quelles seraient les conséquences des accords? D'abord, attends. Et je continue à ceci pour dire ceci. C'est que le président de la République, qui nous écoute en ce moment, je l'encourage, et président, on est avec vous, continuez à vous comporter comme étant le père de la nation. Les pressions de gauche à droite ne va pas l'aider. Lui-même, il est un homme sage, il est un homme intelligent, il sait là où il veut amener cette nation et il doit être capable de mettre sa vision en place. Très bien. Je voudrais qu'on revienne sur la question des accords avant de passer. Docteur Chirani, yes. Les gens veulent savoir. Parce que oui. Le pays, on ne peut pas, en tant qu'intellectuel, fonder nos argumentaires sur des rêveries, oui. Sur des histoires qui n'existent pas. Est-ce qu'il y a eu accord? Ok. S'il y a eu accord, il est où? Vous êtes un chef d'entreprise. Est-ce que vous avez déjà vu un accord qui n'a qu'une seule copie? Bon, tu vois le problème, c'est que il n'y a pas, je ne veux pas dire que je disqualifie ce que Chadari a dit tout ça, mais ce qui est vrai, c'est que il n'y a pas une seule copie d'un accord. Parce que s'il y a deux personnes qui ont signé cet accord-là, chaque personne a sa copie. Oui. Non. C'est pourquoi j'ai dit qu'on ne peut pas retarder sur ça. Oui. On ne peut pas retarder sur ça. Alors, pour que le pays puisse marcher, il y a des institutions qui sont en place. Le président de la République il ne peut pas créer les institutions au-dessus des autres institutions ou au-dedans des autres institutions. Les institutions qui sont en place, il doit utiliser ces institutions pour appliquer sa vision. Et je pense que s'il pense qu'il y a des choses qui ne sont pas en train d'être respectées, il doit parler cela au peuple, il doit être capable de dire voici le point 1, 2, 3, 4, et voici la réponse qu'eux, ils nous ont donnée, parce que on peut pas écouter seulement une seule voix. Il doit être capable de dire que, ok, j'ai parlé 1, 2, 3, 4 à l'Assemblée, ou bien au chef du Parlement, au chef du Sénat. Voilà, je les ai dit 1, 2, 3, 4. Ils ont été en désaccord avec moi. Voici les réponses qu'ils nous ont données 1, 2, 3, 4. Le peuple eux-mêmes, ils seront capables de dire, ok, ce qu'ils ont donné ici comme état réponse, ils ont raison ou ils ont tort. Et à partir de là, ça va aider le pays à avancer. Deuxième chose, le président de la République est au-dessus de la mêlée. Le président de la République étant père de la nation, il ne peut pas descendre bas pour écouter ou bien pour être tombé dans la pression des autres. Il a une vision et il doit mettre sa vision avec les institutions. Troisième chose, dissoudre le Parlement. Oh, tout ça, ça ne va pas aider les pays. Au contraire, ça va essayer de redresser, reculer la démocratie là où le pays est tenté de se trouver. Au contraire, Félix Tshisekedi entrera dans l'histoire de la nation qu'il a été le président qui a travaillé avec une partie opposante contre lui qui dirigeait le Parlement et il a été capable de naviguer cela et de continuer. Moi, je pense d'ailleurs, si je travaillais à la campagne du président Félix, c'est ça d'ailleurs sa force, même en 2023, d'être capable de dire que j'ai travaillé avec les gens qui ne m'ont pas permis peut-être de faire tout ce que je pouvais faire, mais c'est capable de travailler dans un système qui est semi-présidentiel. Et ça va l'aider à avancer, à gagner les élections. Il y a des gens qui pensent qu'il est temps maintenant de dissoudre l'Assemblée. Vous dites visiblement que ce n'est pas une très bonne idée, alors que d'autres pensent que c'est une très bonne idée. Mm-hmm. Il y en a qui estiment qu'il faut que le président puisse débaucher. Il y en a qui pensent que le président puisse débaucher certains membres du cabinet. Pas membres du gouvernement, mais de l'Assemblée nationale, des députés, pour qu'ils reviennent, qu'ils forment une force, une majorité parlementaire. Les gens parlent de la réqualification de la majorité parlementaire. Comment, selon, à votre avis, oui. Le chef de l'État peut avoir la possibilité de basculer cette tendance? Parce que l'arrogance du FCC
vient du fait qu'ils sont majoritaires au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, comment le président fera pour arrêter cette arrogance-là? En fait, le problème, c'est que c'est difficile et ce n'est pas impossible. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Si le président de la République arrive à obtenir la majorité parlementaire, et là, maintenant, il peut mettre un informateur et un informateur va déterminer que la majorité et à partir de là, on va faire sortir un premier ministre parce que le premier ministre sort de la majorité parlementaire. Alors, à ce point où nous sommes, ça serait difficile parce que je ne vois pas quelles seront les mathématiques, comment ça va se faire, si ce n'est que certains membres des FCC changent le camp, rejoignent là où le président se trouve. Vous comprenez? Ce qui est possible. Dans les camps. Ce qui est possible. C'est ça que ce n'est pas impossible. Change les camps, joindre les camps du président. Dans les cas contraires, le président de la République, il doit être capable de travailler avec ce qu'il a. Et ce qu'il a, c'est quoi? C'est que, en créant les exigences, des profils qu'il veut, et les lignes de conduite qu'il veut, il sera capable de réussir. Mais même s'il n'a pas la majorité. Ça ne changera pas les quotas. Oui, ça ne changera pas les quotas, mais c'est ça les conséquences de diriger pendant le système que tu n'as pas le Parlement avec toi. Mais pourquoi ne pas utiliser le problème, l'autre moyen, c'est dissoudre non, le dissoudre, vous avez la possibilité de faire la chose. Dissoudre les parlements, comme on est en train de dire, dissoudre, ça, il doit d'abord avoir une dispute qui est permanente, et puis, à part ça, dissoudre aussi, va amener, comme je l'ai dit encore, va faire reculer encore le pays d'un processus démocratique. Parce qu'on est le Congo, on n'est pas en train de reculer. D'ailleurs, c'est, lui-même. Du respect au président de la République. En fait. Moi, c'est la première fois. Tu sais, parce que le Congo n'a pas encore vécu cela, ça sort comme si c'est un manque de respect. Mais normalement, c'est pas un manque de respect. C'est pas un manque de respect. Chez nous, ça s'est fait. Peut-être on ne va pas comparer notre démocratie par rapport à ici. Vous n'avez pas de premier ministre, vous avez le vice-président. Oui, nous avons le vice-président. Ils sont acquis à la cour du président. Oui, mais il y a la chambre, la chambre basse et la haute chambre. Oui. Donc la chambre haute. Alors, les deux aussi, ils ne s'attendent pas. Moi, je suis d'accord avec ça. Oui. Je comprendrais. Oui, alors, c'est ce que Mabunda... Oui, c'est que Mabunda fait Kabila. Oui. Moi, je comprends. Oui, alors, le problème, c'est que le premier ministre est issu de cette majorité-là. Oui. C'est ce qui fait en sorte que quand cette majorité n'est pas d'accord, le premier ministre aussi se comporte qu'il n'est pas d'accord. Mais est-ce que cela, c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais politiquement parce que c'est ça, c'est que la Constitution lui donne ces plateformes-là. La Constitution lui permet, c'est qu'il est sorti de la majorité, il ne voit pas avec le président de la même façon. Au contraire, il y a une bonne façon aussi, ils peuvent aider les choses. Si le premier ministre s'assoit avec le président, avoir un dialogue qui est clair, sans confrontation, ils vont être capables d'essayer de mesurer le pour et le contre. Je ne veux pas plus comparer même Vladimir Poutine avec Dimitri quand ils ont parlé. Ce sont des choses qui sont possibles. Lorsqu'on met les ego du pouvoir à côté, ce sont des choses qui sont possibles. Est-ce que vous savez que le président peut révoquer le premier ministre? Oui, il peut révoquer le premier ministre avec, si le premier ministre, il y a trois conditions. Le premier ministre peut présenter sa démission. Si le premier ministre peut présenter sa démission et révoquer le premier ministre au cas d'une infraction quelconque qui est souvent constitutionnelle. Et aussi si le parlement n'est pas d'accord avec ses premiers ministres. Mais est-ce que vous savez que le président peut se passer de tout ça et révoquer le premier ministre? Il peut se passer de tout ça, mais il n'a pas une plateforme constitutionnelle qui lui permet de ça. Est-ce que vous savez qui c'est ça qui nous amène à ce qui est amoral. Est-ce que vous savez qu'il y a une disposition constitutionnelle qui permet le président de le faire? Disons, il y a une gymnastique constitutionnelle qui permet à remercier le premier ministre il y a des gymnastiques qui se font avec des interprétations loi gauche et droite, mais qui n'est pas morale et qui ne va pas aider le pays à avancer. Mais au moins, vous savez que... C'est normal. Disons, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, c'est amoral. Yes. Je vous surprendrai. Dans peu de temps, je ne vais pas dire que ce n'est pas possible. Je vais donner le schéma. Oui, je n'ai pas dit que ce n'est pas possible. Oh, tu vas aller consulter tes gens pour te donner ça. Pas du tout. Je suis en train d'asseoir un argumentaire. Oui. Mais sur le plan constitutionnel, et je le répète, sur le plan constitutionnel, il n'y a pas moyen. Donc, il y a les trois conditions qui sont en place. Il y a des gymnastes. Tu vois le problème, c'est que. C'est constitutionnel. Dans la loi, c'est comme ça. Oui, je comprends. L'histoire de la loi, c'est que lorsque tu fais des gymnastiques dans la loi, tu peux faire parler la loi, tout ce que tu veux que la loi parle. Non, et que la cour dise. Le problème, c'est que, en fait, tout ce que ramène cela à la cour constitutionnelle, et si la cour constitutionnelle se penche à lui, c'est tout à fait normal. Mais non, justement, alors le problème est au niveau
Tout ça, ça nous ramène à la construction idéologique de notre pays. Voilà. Les gens, malheureusement pour eux, ils pensent que ce qui est ce qu'ils ne connaissent pas n'existe pas. Pourtant, là où l'ignorance des uns se termine, la connaissance des autres commence. Voilà. Ça veut dire que il y a tellement de choses. Moi, je croyais simplement que, je pense, il y a un sentiment profond en moi qui me dit que le FCC s'est véritablement trompé sur toute la ligne, surtout dans la création de la Constitution. On leur avait dit que cette Constitution était piégée depuis le début. Il y avait plus de... Moi, j'ai fait des analyses, je me suis rendu compte qu'il y avait 57 articles qui avaient des problèmes, mais qu'eux n'ont pas vu parce qu'ils étaient dans le pouvoir, ça ne les dérangeait pas. Aujourd'hui, qu'ils ne sont plus au pouvoir, ils se rendent compte que tout le pouvoir non dit et non déclaré qu'ils avaient laissé au président de la République, maintenant ça revient à Félix Tshisekedi. Et quand ils le touchent, ils disent violation de la Constitution. Alors qu'allemand, en ce moment, quand ils étaient, eux, ils étaient là, c'était normal. Ouais, ouais, mais tu vois, le problème, c'est qu'avec, comme j'ai dit souvent à mes étudiants, tu vois, la loi s'interprète par la loi et la loi... En fait, dans, la loi a toujours eu un catch, a toujours eu une tournure au-dedans de la loi. C'est vrai qu'il y a peut-être certains articles qu'ils n'ont pas pu voir, tout ce qu'ils n'ont pas pu voir, mais ils n'ont pas pu voir. Mais une chose est vraie, et que ce pays a besoin d'avancer. Il n'a pas besoin de reculer. Alors, la Constitution, elle est là. Le président, et je l'ai repris encore, je les réponds encore, le président de la République doit être au-dessus de toutes ces choses-là. Pendant ces temps ici, il doit se focaliser sur ce que le peuple veut. Le peuple, et là je regarde, je dis même aux gens du FCC, les gens du gouvernement et le président de la République, le peuple ne veut pas de cette guerre. Le peuple veut savoir comment ils vont manger, comment ils vont aller à l'école, comment ils vont se nourrir. Le peuple a besoin de l'énergie, le peuple a besoin de l'eau. Le peuple a besoin de l'électricité, je disais, a besoin de manger, a besoin des bonnes finances. Mais tout ce dont le peuple a besoin, c'est le gouvernement qui doit répondre à ces questions. Mais le gouvernement qui est dirigé par le premier ministre Iloukamba, qui est issu du FCC, n'est pas sanctionné par l'Assemblée nationale qui est majoritairement FCC. Est-ce qu'on peut avoir le courage de dire au peuple que si nous ne sommes pas en train de nous en sortir, c'est parce que le gouvernement n'est fait absolument rien pour le peuple et que l'Assemblée nationale cautionne ça parce que jusque-là, Madame Mabunda et son bureau et l'Assemblée nationale n'ont fait tomber aucun ministre pour malversation financière, pour détournement ou tout simplement pour inefficacité qui est une cause plausible de la déchéance d'un gouvernement. Pourquoi ne le font-ils pas? Et je pense que ça a à voir avec deux choses. C'est là où il y a le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. C'est là où il y a la présence du président de la République qui doit mettre, là où il voit l'évolution. Le président de la République assiste à toutes les réunions des ministres. Il doit savoir l'évolution. C'est le président de la République qui reçoit les rapports qui viennent du premier ministre. Et le président de la République, comme il est là, il sait comment est-ce que ses ministres se comportent. Et le président de la République, connaissant comment ses ministres se comportent, il est capable d'observer ce qu'il trouve que ça ne marche pas. Et être capable de parler avec le Parlement et de dire au Parlement, essayez de voir ce cas ici de ces ministres, essayez de faire un audit à ces ministres ici, et les parlements doivent exécuter pour essayer de faire tomber. Non, il y a aussi, attends. Il y a aussi le cas que les parlements doivent faire ce qu'on appelle l'évaluation de leurs ministres. Et être capable de voir comment est-ce que, quels sont les plans qu'ils ont mis en place, la vision, c'est quoi est-ce que le gouvernement a mis en place et comment est-ce qu'ils sont tentés de répondre à ce gouvernement. Est-ce qu'ils ont répondu aux priorités qui étaient en place? Et cela va demander aussi au Parlement, après avoir fait cela, de décider s'ils vont garder le Premier ministre et s'ils vont garder le ministre ou ils ne peuvent pas garder le ministre. Ils doivent faire l'évaluation. Je vous donne raison. Il doit faire l'évaluation. Mais l'évaluation, là, ils les font quoi? Par rapport à ce que le Premier ministre les a présenté comme étant les priorités à mettre en place. Non, mais docteur, vous le savez bien que l'Assemblée nationale n'a pas besoin d'attendre l'évaluation du Premier ministre. L'Assemblée nationale a besoin d'écouter le peuple. Au fait, dans un pays sérieux, comme le, si on est sérieux, oui, comme le nôtre, l'Assemblée n'a qu'à constater qu'il n'y a pas d'électricité alors qu'on a un ministère d'énergie. Monsieur le ministre de l'énergie, venez.
le plan que vous nous avez présenté, c'était le plan d'électrifier la ville. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Et ça, c'est vrai. Est-ce que le Premier ministre, c'est ça le problème, c'est que l'Assemblée fait sortir le Premier ministre. Est-ce que le Premier ministre a mis cela parmi ses priorités? Et vous le savez, oui. Ils l'ont dit, S'ils l'ont dit, et c'est là maintenant l'Assemblée échoue de sa mission parce qu'il doit faire une évaluation. La question de savoir, est-ce que le peuple savent quand est-ce que l'Assemblée fait son évaluation? Et c'est ça. On doit savoir quand est-ce que l'Assemblée va faire l'évaluation. Pourquoi nous sanctionnons? Le problème, c'est pourquoi nous remettons l'échec du pays au président de la République quand on sait que ceux qui gèrent le pays au quotidien, c'est le Premier ministre. Okay. Oui, c'est le Premier ministre. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de dire ici. Moi, je ne remets pas l'échec du pays au président. Non, parce que vous dites que le président doit appeler l'Assemblée nationale. Non. C'est l'Assemblée. En train de dire que quand le président remarque de son côté à lui, j'ai parlé de tous les deux côtés, quand le président remarque les différences, comme il avait fait avec le ministre de la Justice, il a remarqué les différences côté et il a exigé sa démission. De la même sorte que le président peut remarquer aussi dans le cas d'autres ministres qu'il y a certaines... certaines erreurs, certaines lacunes ou certaines corruptions, certaines choses comme ça, et il peut demander aussi leur démission. Toutefois aussi, l'Assemblée doit faire aussi sa part. En fait, avec ses pouvoirs ici, les deux, ils ont le droit de faire une certaine forme d'évaluation par rapport à leur ministre. Oui, mais le problème, au moins le président, on va dire, mais en prenant le président, oui. Il a quand même mis un ministre. Mais l'Assemblée a quoi jusque-là? Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, le président a observé, il a fait ce qu'il pouvait faire, et l'Assemblée aussi doit faire aussi sa part. Mais ce que nous voulons ici, nous voulons que le pays puisse avancer. Et pour que le pays puisse avancer, il faut que toutes ces réalités soient mises en place. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une compréhension, il faut qu'il y ait une entente entre la branche exécutive et la branche législative. Je pense que, c'est vrai qu'on est arrivé à la fin, il y a tellement de choses à dire. Il y a aussi la question de Minembwe, si vous l'avez entendu. Oui. Il faut dire que l'honorable Moïse Ndonzangui a invité Azarias Roberoa à l'hémicycle. Et après, on a demandé à Azarias de démissionner. Les députés, Madame Bazaïba et bien d'autres, ont demandé à Azarias de démissionner. Et puis après, vous avez suivi ce qui s'est passé. Après, la communauté Banyamulenge a été aussi claire que ça. Je veux dire vraiment la communauté ou le représentant de la communauté ou quelqu'un membre de la communauté Banyamulenge s'est victimisé. Alors, au regard de tout ça, il y a des questions qui se posent. La question de l'identité, la question de l'évaluation de la décentralisation de notre pays, la question de la gestion de nos territoires, ou de notre territoire, pardon. Tout ça, toutes ces choses sont finalement une problématique. Comment résoudre cette problématique? C'est un problème que je ne pense pas que nous saurons résoudre ça d'une façon simple ou systématique avec une telle réponse que voilà, A, B, C, D, on doit résoudre cela. Mais nous devons apprendre à vivre avec ces peuples, dans le sens que certains qui sont nés là-bas, comme je l'avais dit la fois passée, sont nés sur les territoires congolais. Mettons aussi d'autres Congolais qui sont d'autres provinces, aller vivre là-bas et vivons ensemble comme étant une communauté. La question sur l'identité, ils sont nés au territoire congolais et on doit les exiger à accepter les lois et les règles du territoire congolais. La question sur le fait que le sol nous appartient. Oh, le sol nous appartient. Non, le sol appartient au territoire congolais. Le sol, s'ils sont congolais, le sol appartient aux Congolais. Donc, ce n'est pas une question où ils vont se sentir comme s'ils sont plus supérieurs ou bien ils ont obtenu quelque chose plus qu'ils ne devaient pas obtenir. Donc, la terre est pour le Congo, la terre est pour le Congo. Donc, c'est ça ma réponse à ça. Mais il y a aussi, ça c'est vraiment, c'est un raccordement que je vais faire. Hein. Oui. J'avoue déjà que c'est un raccordement frauduleux. Je veux quand même le faire. Frauduleux, ok. Mais vous avez entendu ce que j'ai donné comme réponse. Oui, j'ai entendu. Mais il y a un élément. Oui. Je me rends c'est frauduleux, hein, mais vas-y. Je me rends compte encore une fois que le pasteur Roland Dallot a un rôle à jouer là-dedans. Voilà. Il a un rôle à jouer là-dedans. Oh, pasteur Dallot encore. Azarias. Moïse Nyarugabo est un frère de Philadelphie. Oui. Ouais, j'ai prié avec lui à Philadelphie. Je ne sais pas s'il est toujours. Je ne sais pas non plus. Il est toujours là où il est. Il est à Philadelphie. Bon.
Fayoulou était un frère de la Philadelphie. Je ne sais pas s'il est parti. Oui. Philadelphie, mais au moins. Félix. Félix, c'est qui était frère de Philadelphie. Oui. Et puis j'ai vu encore quelqu'un. Nanga. Oui, Nanga là-bas. Nanga, frère de Philadelphie. Oui. J'ai vu Bissengimane. Frère de Philadelphie. Finalement, je me rends compte qu'il y a beaucoup des autorités congolaises qui sont pris à Philadelphie, qui ont pour père spirituel Roland Dallo. Roland Dallo. Ce qui veut dire, le pasteur Roland Dallo peut inviter tous ces gens le faire asseoir chez lui à la maison, oui, en tant que leur pasteur, oui, et leur dire, bon, écoutez, expliquez-moi le problème. Comme ça, nous allons tous prier ensemble, peut-être deux jours, trois jours. Et Dieu va nous aider. Et Dieu nous donnera la lumière. Comment trouvez-vous cette idée-là? Je pense que dans mon côté, étant un chrétien, un homme de Dieu, je pense que c'est aussi une bonne réponse. Parce que le roi avait toujours un prophète qu'il allait consulter, oui, pour demander une direction du pays. Exact. Pasteur Dallo, si vous nous écoutez, et aussi vous ne nous écoutez pas, moi-même, je vais vous envoyer les messages du Christian, oui, pour vous dire ce que Christian a dit. Invitez-le. Donc, invitez-le et nous allons prier ensemble. Et je pense que nous allons inviter aussi les frères Christian. Non, frère Christian, maintenant, on dit déjà qu'il a pris des positions. Donc, non, on ne sait pas. Oui, j'ai pris des positions sur la vérité. Ah, c'est la vérité. On va pas l'inviter. Mais nous allons faire cette prière-là. Ce n'est pas une mauvaise idée. Et d'ailleurs, ce n'est même pas frauduleux. Parce que Dieu qui connaît les intentions et Dieu qui connaît tout, il peut révéler une solution. Et là, c'est vraiment, je suis avec toi. Et quand on parle de la justice, élève une nation. C'est un verset biblique. En fait, cette justice-là, ce n'est pas une justice dans un système de la suprématie, mais c'est une justice de ce que la droiture, la pensée que Dieu est en train de voir. On est concentré, yes, docteur. Parce que Azaras Rebo, il est pasteur. Oui. Donc, il est pasteur, un homme de Dieu. Le pasteur Dallo peut l'inviter en tant que pasteur, oui, son collègue. Il dit, bon, venez. C'est Félix, c'est ce que c'est un frère. Il prie oui, beaucoup. Oui. Bon, Azaras Rebo, qui est Moïse Nyanguga, bon, moi, j'ai vu prier plusieurs fois. Mais c'est Guimard, oui, ils ont vu prier aussi. Donc, on peut appeler tous ces gens-là. On dit, bon, écoutez, on est ensemble, on va prier comme des enfants de Dieu, et Dieu nous donnera un moyen. Comme ça, comme vous êtes forts, comme vous, Roubero et Nyarugabo, vous êtes des Banyamulenge, et vous reconnaissez comme Banyamulenge, vous êtes des porteurs de leur voix, vous allez aller communiquer la voix de Dieu à ce peuple-là. Oui. Félix Tshisekedi, comme vous êtes président, vous allez aller communiquer la voix de Dieu, la vision de Dieu. Martin Fayoulou, vous avez le peuple, une partie du peuple avec vous, vous allez aller... Mais je crois qu'à un moment donné, on peut trouver une solution. Oui, je pense que ça, ce n'est pas, en fait, ce n'est même pas frauduleux. Ah, d'accord. Ça, ce n'est même pas frauduleux. Ouais. Là, maintenant, je peux même corriger. Ce n'est même pas frauduleux. Ah, okay. La pensée de Dieu, c'est la pensée qui résout beaucoup de problèmes. Je pense. Je le crois fortement dans ma vie que le Seigneur a fait grâce aujourd'hui dans certains cercles de ma vie. C'est non simplement parce que, peut-être, bon, consultant politique, ma tête, tout ça, je pense aussi parce que Dieu a compris que sa grâce qui est posée sur moi pour une mission, qui est capable aussi, d'un côté aussi, d'insérer la pensée de Dieu. Parce que lorsque tu conseilles, ou lorsque tu fais le travail de consultant, c'est un chef de l'État, c'est vrai, ou de certaines autorités, c'est vrai, tu leur donnes des idées, mais des fois, il faut être sensible à la voix du Seigneur pour être capable de dire, non, je pense que c'est un autre chemin, il faut faire quelque chose d'autre. Donc, sur ce point-là, je suis d'accord. Et Pasteur Dallo, s'il nous a entendu, s'il ne nous a pas entendu, moi-même, je vais passer le message. Un autre élément, je voudrais savoir si... Mais je vous avais dit qu'il m'avait dit de vous dire aussi qu'il vous aimait beaucoup. Bon, je l'aime beaucoup, en tout cas, c'est un papa pour moi. Oui. Je voudrais savoir... Pasteur, est-ce que le pasteur Roland Dallo, comme tous les autres pasteurs, est-ce que vous réalisez, parce que vous êtes pasteur, c'est là que je prends votre casquette de pasteur, est-ce que vous réalisez la position que vous avez aujourd'hui pour changer la destinée de ce pays? Oui. Bizarrement, oui. Le pasteur Mukuna, qui est évêque Mukuna, il a une équipe de football. Ça veut dire une masse importante de gens qui croient en lui, d'abord comme pasteur, mais aussi comme chef d'une grande équipe de ce pays. Oui. Vous avez le pasteur Roland Dallo qui est le père de deux générations, la génération Toms Mbouma et la génération Ken Luamba et bien d'autres générations. Et que ces gens-là, dans leur assemblée, ils ont des procureurs, ils ont des magistrats, ils ont des juges, ils ont même le président de la République. Ils ont les généraux. Mais à un moment donné, je me dis, est-ce qu'il ne faut pas avoir une conférence des pasteurs, mais d'une autre dimension maintenant? C'est-à-dire que nous allons prier, c'est vrai, mais qu'on essaie d'harmoniser nos points de vue pour avoir un message commun. Le pasteur Roland Dallo, vous, le pasteur l'évêque, ensemble, vous faites d'abord vous-même, sans nous inviter, nous, les fidèles, vous-même, un colloque d'au moins 2-3 jours où il n'y a pas de message télévisé
Pas de téléphone, pas de radio. Entre vous, vous discutez. Et pendant 2 ou 3 jours, Dieu vous donne un chemin. Comme ça, quand vous allez revenir dans vos bases respectives, vous leur donnez des injonctions de la part de Dieu. Et là, tu prends des injonctions par rapport à la nation. Par Oui. Je pense que ce sont des bonnes idées. Vous savez, il y a 2 ans, vous le savez bien. Et d'ailleurs, ça nous amène à annoncer la conférence que nous avons les samedis ici, les 30, les 31. Vous savez, nous avons commencé une chose qu'on met des leaders ensemble. Et parce que le leadership, c'est une bénédiction de la part du Seigneur et ça aide à comprendre les pensées. Et pour les hommes de Dieu, c'est une très bonne idée lorsque les hommes de Dieu se réunissent et je pense que c'est parmi les meilleures idées. Le pasteur Dalo essaie de faire avec les leaders, mais si on doit aller au-delà, même de mettre les pasteurs simplement, comme vous avez dit, de parler ensemble, de s'équiper, tout ça, sera une bonne chose. Merci beaucoup. Je lui passerai le message. Merci beaucoup. Mais je rappelle que je ne suis... Moi, ma seule couleur, la seule couleur que j'ai, c'est la couleur de la vérité. Parce que, docteur, j'estime que ce pays ne changera pas avec le neutre. Oui. La neutralité est une forme de naïveté. Oui. On ne peut pas être neutre quand les gens meurent. Oui. Devant le mal, on doit avoir une position. Et c'est ce que vous nous enseignez. Oui. Nous devons avoir une position. Cette position doit être la position de la vérité. Oui. Mais ce qui est mal, c'est de conforter un camp politique contre un autre en ce cas on a joué un mauvais jeu. Oui. Là, je vous apprécie beaucoup dans le sens que moi, je vous apprécie beaucoup dans le sens que, étant un journaliste, d'ailleurs, votre travail d'abord, c'est d'avoir la neutralité, d'être toujours du côté de la vérité. Toujours. Toujours du côté de la vérité. Lorsque quelque chose ne va pas, vous attaquez. Et lorsque vous sentez que s'il n'y a pas moyen, vous êtes... Et il faut appeler les gens des FCC, il faut appeler les gens de la Mouka, il faut appeler les gens des Cash, il faut appeler tous ces gens-là. Ayez-les dans les plateaux, écoutez-les, mettez vos points de vue et laissez-les, confrontez-les et ça va aider la nation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Docteur, je rappelle que le docteur est consultant politique, pasteur, professeur. Il est leader. En même temps leader et enseignant dans le leadership. Merci beaucoup à vous, docteur Chirandi. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on se retrouve très prochainement. Ah, je n'ai pas parlé de Global Touch. Global Touch. J'améliore mon anglais. Hein, oui, petit. Global Touch. I learn English. English, yes. I learn English. Thank you very much. Thank you. Donc, comment on dit, good luck. Good luck. Good luck. Yeah, good luck. Mesdames et messieurs, ça n'est fini. Merci. Je vais apprendre à désannoncer en anglais. Donc, ne vous en faites pas. J'apprends auprès du professeur. Il m'enseigne. Il teach me English. Yes. Yeah, yeah. Thank you so much. Yeah. On se retrouve très prochainement. Portez-vous bien, que la peur quitte vos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Gigi Link met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. Digilink permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. Digilink, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de service. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kikongo et Lingala pour le service sur Digilink. C'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com. Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des tresses africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur djjlink.com. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour la. Oh.